Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouvel Halo News. Si vous étiez là au live du 25 décembre ou que vous avez vu le Machinima de Noël sorti à la même date, vous savez que les Halo Wars vont faire leur retour pour une 5ème édition. Les Halo Wars ont été créés en 2011 en réponse aux nombreux Machinima et montages sortis par la communauté. A l'époque, nous étions sur Halo Reach et les nombreuses maps, dont celle issue de la Forge, les très nombreuses armures des Spartans, la possibilité de jouer des élites en multi et les nombreux véhicules ou armes étaient chacun des points qui ont réveillé une passion pour les mordus de cinéma, souhaitant créer leur court-métrage en utilisant le mode cinéma de leur jeu préféré. D'autres étaient devenus de réels professionnels de l'editing pour réaliser des montages avec des effets bluffants avec le même matériel. C'était vraiment quelque chose de dingue, tellement de création et de passion que les Halo Awards, inspirés des Emmy Awards ou des Césars, sont arrivés pour élire les meilleures vidéos de la communauté francophone. Et les retours ont tellement été positifs que les Halo Awards furent relancés les 3 années qui suivirent jusqu'en 2014, avant de malheureusement disparaître quelques années à cause du manque de création. Avec Halo Reach qui revient au devant de la scène sur la MCC, elle-même débarquant sur PC à quelques mois de la sortie de Halo Infinite, tout semble être là pour voir de nouvelles créations émerger. C'est pourquoi nous avons annoncé la 5ème saison des Halo Awards. L'année 2020 sera une année de renouveau pour la communauté Halo qui attend avec impatience Halo Infinite dont on parle depuis maintenant plusieurs années. Et rien de mieux que d'attendre notre futur jeu préféré en regardant de quoi est capable la communauté francophone dans la création. Et toutes les créations seront prises en compte, quel que soit le jeu, quel que soit le format, quelle que soit la longueur, rien ne sera mis de côté. Et oui, pour la première année, les Halo Awards seront là pour tous les créateurs, on ne laisse personne au second plan et toutes les créations auront droit à leur place. Forge, fanart, screenshot s'ajouteront au machinima et au montage. Mais comment s'organisent réellement les Halo Awards 5ème édition? Eh bien c'est très simple, vous avez toute l'année 2020 pour créer. À la fin de cette année-là, un jury présélectionnera vos œuvres et choisira les meilleures pour les regrouper dans des catégories. Concernant les machinima, pour vous donner un ordre d'idée, vous pouvez vous attendre à retrouver les catégories meilleur doublage, meilleure réalisation, meilleurs effets spéciaux, meilleur scénario ou encore meilleur premier machinima et j'en passe. Plus il y aura de créations, plus il y aura de catégories précises pour représenter vos œuvres. Mais bien sûr, à la fin, c'est vous qui votez pour vos créations préférées. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'être un créateur pour pouvoir voter. Et pour finir, les délibérations seront données lors d'un live spécial où vous pourrez assister à la cérémonie de remise des prix en direct. Mais nous avons besoin de vous. Recenser les créations est un travail long et Internet est vaste. Si à l'époque, sur les forums, il était plus facile de retrouver toutes vos créations, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux qui sont plus prisés, il est plus facile de passer à côté de certaines œuvres. C'est pourquoi, pour être sûr que vos créations soient prises en compte, nous vous invitons à les poster sur Halo.fr dans la rubrique Communauté. Si vous étiez là lors du live, vous savez qu'une nouvelle section va très bientôt arriver sur Halo.fr pour mettre en valeur vos créations plus qu'elles ne le sont aujourd'hui. Halo est un icône dans le monde de la création et nous pouvons être fiers de cela. Nous reviendrons vous parler des Halo Awards très rapidement. En attendant cela, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous connaissez les mots de la fin. On se retrouve bientôt. Vive Halo !